lelo bakomi tellement rationnel tant wazala aomona surtout les femmes se retrouvent vraiment que abimi na mobali na putu na tonga moni ba bête ya ya blanche, excusez-moi pour le terme. Amoni yango tellement qu'ils sont rationnels à qui place à médecin puis non c'est normal l'éjaculation précoce. Il explique des mots français. Je suis pas en train de combattre la médecine, c'est une branche que Dieu a permis ce qu'ils en a mouti. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Les choses spirituelles, on les combat par la spiritualité. Moto o yazana mari de nous, il doit d'abord comprendre que Jésus a zo attaquer. Tant que tu ne connais pas, tu l'ignores, il te tue. Quand je suis en train de me faire un peu de temps, je me suis dit que je suis en train de me faire. Est-ce que le diable n'est pas le cas pour ça? Vraiment, vous pensez que c'est cela? Le diable, tant qu'on est le cas au travers, il y a un sorcier. Qu'est-ce qu'il a besoin? Premièrement, le sang d'abord. Juste le sang. Parce que le sang, c'est l'alliance. En fait, nous avons une alliance à papa. Pourquoi? Par le sang. Mais lorsque maintenant on reçoit Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a plus de condamnations. Toute ordonnance, en fait, quand on dit toute ordonnance, toutes tes paroles écrites, orales, qui a été prononcées sur toi, dans ta famille, Yeshua Mashiach vient les supprimer. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyoiko Kaninayo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes si nombreux à suivre cette émission. Je dis bonsoir, bonjour, très chers internet, très chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure où vous nous regardez en ce net moment. L'actualité nous appelle, le devoir nous oblige. Un petit clé d'œil à notre caméraman, réalisateur, monteur, finissage. Je dis un grand merci à Jonathan. Aussi à Jonathan Mokadi, aussi à Fabien Poï, à la finissage, aussi à notre directeur général, Sheikh Mokadi. Un grand merci à vous parce que vous êtes si nombreux à suivre cette émission. J'ai dit un grand merci. Et batonion sur Bota Labiso, Libanda Mboka. Mbote Nabino, Bisika Bozo, Mbatonion sur Bota Abson à Kinshasa, la télévision locale à Rapi Mbote Nabino, le téléphone Nabino, Mbote Nabino, Bose, Bele Bolanda Biso. Et l'autre, on est à l'émission Nabiso, Tomisana, on le met la plus Bonzambé. La profondeur appelle la profondeur. Voilà, Mozindo et Bendaka Mozindo, ils apprennent Makamboto, le Belayolo, l'émission Abisso, Nazanga mon côté. J'ai dit un grand merci à Batonyonso, Bazaota Abisso, bien Makwata TV, mon gros Batoué Belé, Ozana Gressouana, TV Telabisso, Ndo Mersana Gota Abisso, sponsor officiel, il y a émission Oyo, bien Makwata, merci beaucoup, bien Makwata, merci infiniment. D'ailleurs, déjà, je promets, bientôt, dans le promo, parce que sponsor officiel, les Ali, bien Makwata pour cette émission. Un grand merci à Batonyon sur Bota Labiso, Mama Zozone États-Unis, sponsor officiel, il y a Police des Stars. Merci beaucoup aussi, Mama Zozo. Le beau comme ça, ça va cataraté. C'est avec lui qu'on va essayer de mettre carte sur table, noir sur blanc, pour essayer un peu. Oui, baboni makambozo le kasikoyo. Je suis avec Moto Nzambe, obo mesana kotala, obo mesana koyoka, o nzamba loba à travers. Je crois que toro mekaroso la page moro lelo. Thème autre mikaro le bela lelo ezali la délivrance. La délivrance ezana ba branche ebelé. La délivrance ezana ba branche ebelé. C'est avec lui qu'on va essayer de parler, mettre carte sur table, noir sur blanc. Déjà j'ai dit bonsoir prophète. Bonsoir papa. Voilà. Avant tout au sein de tout ça là. Oui, oui. D'accord. Toutes on peut prier. Père de grâce, Père de lumière, créateur de toutes choses, Elohim. Nous te prions au nom de Yeshua, pour lorsque la lumière de ta parole entre dans la vie, qui entre les ouvre cette émission, et que ta main puissante puisse les ramener dans la vie, et que tu puisses délivrer ton peuple. Au nom de ton fils Yeshua, j'ai ainsi que je dis Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette délivrance, pour cette bénédiction de la part de Nzambe à travers Moussalinaye. Gloria Maboya. Moboya? Oui, oui. Gloria Moboya, voilà. Prophète. Aujourd'hui, on va parler sur un point très sensible. Prophète, aujourd'hui, on va parler sur la délivrance. Point sensible, hein? La délivrance, c'est ça qu'on va faire. D'abord, en un mot, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est sortir de dans une prison. Ou quelque part dans un lien au bakanga kio ou bimana yango ndeba benyango délivrance. Donc dans un mot je peux le dire comme ça. Voilà,
Maintenant, qui peut être délivré? Qui peut être délivré? Voilà. C'est quelqu'un qui est emprisonné ou quelqu'un qui est possédé. Il est donc aux alas délivré. C'est-à-dire, si tu n'es pas aux alas, la délivrance, ce n'est pas important pour toi. Voilà. Alors, tant qu'est-ce que vous pouvez être délivré, nangonga nini yo koza délivré, et koki o yandengi nini po yo za délivrance, et loko nini eko mema, batoto moto nanzamba vers yo po yo za délivrance, tant qu'est-ce que yo koza délivrance. Ok. La première de choses, c'est ça par rapport à ba signe yo moko zo mona, sans pour autant que même, homme de Dieu na pembe nino to nanda. Voilà. Parce qu'il est probable qu'un homme de Dieu puisse localiser quelqu'un par beaucoup de choses. Là, ce sont des paroles de connaissance, mais là, ça n'a rien à dire. Mais et l'autre, on est en train de la délivrer, c'est par rapport à la conscience. Parce que lorsque, normalement, je devais être comme ça dans la vie, mais si le c'est-à-dire, j'ai besoin d'une délivrance quelconque. Il y en a même des gens qui sont plus conscients de ça. Et puis à chaque fois que j'essaie de monter, ma camoufle simbate. Et l'on n'est simbate peut-être beaucoup. Vous savez, testament comme ça là, plusieurs personnes ils sont retenues. C'est pas nous, c'est intelligent pour les cabans. Bah, Missou, par exemple, dans 4 universités, il te dit si les lois à canager, même bah, toi, ça va en bas réponse. Bah, les cas, donc il y en a beaucoup de choses qui peuvent te pousser à être délivré. Pourquoi? Premier et l'autre, on ne faut à la conscience en ok. Et place nazali, il ne faut pas nazala. Ah, voilà. Donc, si vous êtes conscient en côté, c'est inutile. C'est inutile. Alors, il y a quoi arriver? Puis, nous sommes là, il y a une possibilité. Tout à coup, la vie a parachuté, la vie a basculé dans le monde. Si vous êtes reconnaître les sautés. Barbarie, il y a le bas. Peut-être que vous êtes en cause de la paix naturel. Vous êtes en train de vous faire un peu. Sans que tout le monde soit en train de la spiritualité. Oui, oui, Moutoko Zala, c'est normal, Zala qui peut l'écologie. Des fois même, Dieu lui-même, il vient aussi pour briser, puis il y a un la brise pour l'orgueil et qui m'a. Mais vu qu'on parle de la délivrance, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et Zala Batoumi Soussou, avant d'être matali, ma vie était ici, dans le niveau mon boy. Top quoi. Mais top, tant qu'on kouéi, aligné tellement. Parce que si c'est Dieu, Dieu viendra te dire, c'est moi. Si c'est la vie, tu vas aussi comprendre. Maintenant, des fois, yo mon vani, je parle bien de la conscience. Parce que vraie délivrance, c'est la conscience, la intelligence. Très je vais bien. Donner même le passage ici. Mais vas-y, s'il faut. Mona, bon, on peut lire à 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Toko bandana 4e verset. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On parle de Mashiach. Ils disent quoi? Nous renversons toute pensée captive. En fait, la première dimension de la délivrance, ça vient dans la tête. Dans la tête. Plusieurs personnes y pensent qu'être délivré, c'est être tombé dans l'église. Je ne suis pas en train de dire que tomber. Tu peux tomber parce qu'un démon t'agite. Mais je suis en train de dire une chose. Une personne qui n'est pas délivrée dans la tête, qu'il monte, qu'il descend, même s'il est tombé, il est toujours captif. La première des choses que Paul dit ici, il faut ravexer les forces terrestres. Les forces terrestres sont de quoi? Les ababiloko yona na bitumba ba guerre. Ba benga bango ba ni ba loko les États-Unis aye aché parti armé les aw. Ne ba benga ba forces terrestres. En fait, maintenant, c'est par la connaissance. Cette connaissance-là, ce n'est pas la connaissance de la mathématique. Je parle de la connaissance, il y a cours en français. Mais c'est la connaissance de Dieu. C'est ce que Paul dit. Celui qui connaît Dieu, il est capable d'être délivré. C'est pour cela la vraie délivrance que les gens ont besoin, c'est la connaissance d'abord. J'aime dire une chose. Toutes choses que nous ignorons dans la vie, ce sont ces choses qui nous tuent. Et loko yebite na vie. Yamonde bomo liboso. C'est pour cela mututa maza ignorant azo koufa. Mon peuple périt faute d'ignorance. Ouais. D'ignorance. Jésus lui-même dit en venant sur la terre. Voilà. Lui qui est Yoshua, son nom est le tétagramme de Dieu. Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Il a besoin, la personne là qui est possédée ou qui est cheatée dans la vie, la première des choses qu'il a besoin, c'est la connaissance. Il doit connaître cette ignorance, cette personne qui les combat, cette chose qui les combat chaque jour. Tant
tant que tu ne connais pas cela, au moins même bah, homme de Dieu, bah, leur ministère n'évolue pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance de, le, de la chose qui partie, ça fait partie aussi. Beaucoup des hommes de Dieu, bon, Sambila, bon, Binga Bandimi, bon, Salaba, Baba, campagne, Batubaya, l'église, mon église, Bandi, Vandi, 10 ans, Bandim, Bazarara, même Bilonguana, et puis Bazasso, Kébite, à Rokonte. Mais je me pose des questions, mon beau, Kabatum, Zambazande, Awa, Zambazande, Awa, je sais pas. C'est pour cela que je dis, l'homme de Dieu en question, Bamisou, peut l'église, et vous, et Kenelon, la vitesse, qui est peut-être, je sais pas, encore le temps de Dieu. Là, c'est une autre chose. Mais Zalaban, avant na kati église, il y a une maman là zandoki, ton papa moi zandoki na kati église. Vu que le pasteur tu le connais pas, tu es toujours combattu. C'est pour cela il est important de connaître. La première dimension de la délivrance c'est la connaissance. La connaissance. Tu dois connaître la personne qui te combat. David et Baka Goliath yango bundanai. Ce que dit Goliath na auto bundanai te oyo bundanai de kono pamba. Yango monaki bande ko David baye. Mais David, yo eko sala ni ezor gay na yo. Mais qu'est-ce que David avait compris? Obi bitumana ngezana bango te ezana Goliath. En fait, il faut comprendre vrai ennemi na yo azana. Plusieurs personnes ils ont pas la connaissance et pour cela ils sont tués. Ils sont emprisonnés bazaya ko kangama. Et la connaissance que nous devons connaître c'est Dieu. Comment connaître Dieu? C'est par sa parole, c'est par les prophètes, c'est par les hommes de Dieu, je parle de chaque ministère, le ministère. Ce que olingwe banza me faut par la parole, en méditant la parole de Dieu. La Bible dit à Josué chapitre 1, le 8e verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Pourquoi ça ne doit pas s'éloigner? La Bible dit quoi? Tu réussiras, lorsque tu méditeras ça, tu réussiras à connaître la parole de Dieu. Tu peux réussir dans tout, tu peux être délivré. Et c'est pour cela que les gens qui ont la connaissance, ils n'ont pas besoin d'abord d'aller chez un homme de Dieu imposé Bango Mabuku. Ils ont besoin juste de rester à la maison et de combattre eux-mêmes. Parce qu'un vrai homme de Dieu, il est appelé d'amener le peuple de Dieu dans une connaissance de la parole de Dieu. Pour que le peuple de Dieu eux-mêmes deviennent des sacrificateurs qui seront capables de s'opposer à leur ennemi. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Parlons maintenant de la délivrance sur Marie des Nuits. D'abord, la première question, ou peut-être la thème de la délivrance, mais non, qui est le thème de la karaté, il faut quand même moi quelques sous-questions. Si on parle de la délivrance sur Marie des Nuits, Marie des Nuits, elle a un peu de temps, 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 elle a un peu. Comment vous avez dit que vous avez situé dans la délivrance? C'est ça ce que je parlais d'ailleurs. Au moins, même pas mari de nuit. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été dans la mari de nuit. Alors, comment vous avez dit la délivrance? Il y a esprit, il y a conscience qui ont été dans la mari de nuit. Je vais dire une chose très claire ici. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, nous sommes devenus trop rationnels et nous oublions la spiritualité. Des fois, les choses spirituelles s'opposent aux choses rationnelles. Bah, tu belles les lots, bah, comme tellement rationnel, tant qu'on a à Omona, surtout les femmes, ils se retrouvent vraiment que abimina mobali na boutou, na tonga moni ba pète, ya blanche, excusez-moi pour le terme, à moni ango, tellement qu'ils sont rationnels, à qui place à médecin, puis non, c'est normal, l'éjaculation précoce. Ils expliquent des mots français, je suis pas en train de combattre la médecine. C'est une branche que Dieu a permis ce qu'ils en ont. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Les choses spirituelles, on les combat par la spiritualité. Très bien. Moto Oyazana Marie de nous, il doit d'abord comprendre que j'ai ça. Azoa Takina. Tant que tu ne connais pas, tu l'ignores, il te tue. Il va te combattre jusqu'à la mort. Mais le jour où Oyazana Marie de nuit, maintenant il faut se lever. Je vais donner une dimension de la vraie délivrance. Moto Oyazana connaissance, il doit voir ce qu'on appelle la parole. Et cette parole-là, tu dois les libérer. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est au pouvoir de la langue. En fait, le vrai combat de la délivrance, c'est aussi le combat de la parole. David devant Goliath, ce n'était pas un combat des épées. David a mis ses pétés. Non, c'était la parole. David a dit, je vais te tuer. Moutoazo loba. Le diable, il a perdu la parole. Mais je ne parle même pas seulement de la parole de Dieu. Je parle de toute parole que tu libères dans ta bouche. Tant que il y a mari de nuit, femme de nuit, à côté dans la chambre, chaque jour, c'est le temps où
Lève-toi. Je ne suis pas en train de dire au téléphone la prière dans le sens où tu es non, ce pas ce que je dis. Au téléphone, toi, tu viens ici chaque jour la nuit. À partir d'aujourd'hui, na kangeli aux portes. Seulement comme tu dis, parce que le monde a été créé par la parole. Vu que quand tu parles, les diables nous attaquent par la parole et les raisonnements. Vu que nous pouvons rabaisser ces puissances par les raisonnements de la parole de Dieu, par la connaissance, maintenant nous devons libérer ces paroles. Comment libérer ces paroles? C'est par ta bouche. Dieu a créé le monde par la bouche. Et toi aussi, tu dois s'opposer à ces personnes par la bouche. Peuple de Dieu, vous devez vous réveiller pour parler devant vos situations. Ce qui m'arrive de nous, Ayaka, l'obélaïe, il ne reviendra plus. Je vous rassure, ces personnes qui vont se lever et ils vont parler, ils vont témoigner, même ils vont vous écrire, vous allez voir ça. Ah, c'est tellement profond, hein? La profondeur appelle la profondeur. Comment se délivrer avec des liens de famille, bah, liens de famille? C'est toujours la même chose? Bon, c'est un peu différent. Bah, liens de famille, oui, bah, t'es différent, là, bah, mari de nuit. Hein? Oui, oui. Les liens de famille, et ça, Dieu lui-même, Abraham, c'est un ancien babylonien, il vient de Chaldée. Abraham, comme on les a dit, Abraham. Tant que nous avons dit, comme on a dit, on a Babylone, au Babylone, c'est un peuple païen. Son père, c'était Terach. Tant que nous avons dit, Abraham. À changer combo. Pourquoi changer combo? Parce que je ne suis pas en train de dire directement votre balouba. Non, tu changes combo. Non, je ne suis pas là d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Nzamba yoko changer Abraham combo. Parce que le nom, c'est l'identité d'une personne. Voilà. Papa Yam Soum Dalinga Benir Yona, par exemple, les États-Unis. Il était peut-être bon. Sauf Baroba, tu as la biso. Alors, il y a un combo Yams. Alors, il y a un Yams. En fait, Nzamba étant en ligne à l'élevé, il y a un combo. En fait, c'est le nom qui est le porteur de ton identité. Ton nom te représente, n'a pas ses ports, partout. En fait, ce qui est en train de Abraham, à mon habité, ça lui freine. Pourquoi? Parce que Azalaki n'a été père des nations. Azalaki n'a pas père de multitudes. Ce qu'on ne sait pas comprendre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé son nom. Dès qu'Abraham a changé le nom, il est devenu le père de multitudes, comme père des nations. Il est maintenant notre, comme on dit, grand-père ou patriarche. Le lobisonien, c'est au quoi? On a foi abrahamique. Il est le père de la foi. Pourquoi? Parce que son nom a été changé. Plusieurs personnes, leur plus grand combat, c'est leur nom. Tant que tu ne connais pas la source de ton nom, tu es toujours influencé par la mère dans la famille. Sang, et puis le sang qu'on porte. Les gens aujourd'hui, quand est-ce que les diables pour le croiser pour ça mutoluna? Vraiment, vous pensez que c'est cela? Les diables, tant qu'on a le cas au travers, il y a un sorcier. Qu'est-ce qu'il a besoin? Premièrement, le sang d'abord. Juste le sang. Parce que le sang, c'est l'alliance. En fait, nous avons l'alliance à papa. Pourquoi? Par le sang. Mais lorsque maintenant on reçoit Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a plein de condamnations. Toute ordonnance. En fait, quand on dit toute ordonnance, toutes tes paroles écrites, orales, qui ont été prononcées sur toi. Dans ta famille, Yeshua Mashiach vient les supprimer. Et te donne maintenant la Torah de la vie, la parole de la vie, la loi de la vie, qui est d'abord sa propre personne. Il est censé, à un homme, de comprendre l'origine de son nom. Tant que tu ne connais pas l'origine de ton nom, tu es brisé. C'est pour cela, moi, mon nom, par exemple, c'est Moboya, ça signifie tristesse. Il y a eu un moment, j'étais toujours triste. Et puis, la vie, je vous dis vraiment, c'est mon témoignage. Jusqu'à tous les années, tout le monde, on pouvait faire la même chose le même jour. Ils pouvaient réussir. Moi, je n'ai rien à dire. Pourquoi? Parce que les noms réclamés. Mais lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé la prière. J'ai brisé l'influence du nom. N'a dit que non, comme on est comme épave. C'est pour cela que les gens doivent comprendre. Ils doivent monter dans une dimension de briser les alliances du nom. Et puis les alliances du sang. C'est le temps de faire l'église. Normalement, on doit monter dans une dans un message prophétique pour entrer dans les despitages du sang. Le sang ici, nous sommes les porteurs du sang. De qui? C'est pas Yanzambe d'abord. Tous en a nous porteurs, il y a ça, ma papa, ma maman. Mais il faut se poser les questions. Ma papa, ma maman, ma outawapi. Très bien. Il vient de loin.
Oh, ça n'a pas ngwana, ezala kapena ba maloba, na sira kala kuto ça ba vantiété, il y avait des choses qui se passaient. Il y avait une grande spiritualité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la spiritualité mais les gens ne la font plus. Mais série wana spiritualité ça qui bon, les apenda tout ça. Les gens ça qui coutume ba doit aussi mettre ba zo suka maboko, les lois ezala les. Ezala que juste. Mais série wana c'était ezala qui bon ba qui bon nganga mo ba no ça. Les hôtels au Congo, c'était aujourd'hui pour mon hôtel, c'est difficile. D'ailleurs ba ba yebe ngote. Moi je connais par rapport aux enseignements. Mais c'est un hôtel, les la famille, la biche, tous un hôtel, la biche, mon coup. Parce que dans un hôtel, il y a des alliances qui se fait. Vous avez chaque 18h, vous avez un peu de temps, papa, soit au Timoussa, la bokeh, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, chaque 18h, vous avez un peu de temps, vous avez chaque 5h. Quel genre de prière? Et ces prières-là, ils ont de l'influence sur la vie des personnes. Maintenant, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Pourquoi? Il y a un peu de temps, vous avez un peu de temps. Bible solo ba papa ba li régent ba na bon ki minungai. Pourquoi ba na bon ki minungai? En soi, c'est pas les papas ils avaient fait les alliances. Ba c'est pas là qui alliance et bénéfice à qui. Mais problème est anini ba na génération nouvelle. Voilà. Oyeyé et commis qu'au souffrir. C'est même le même histoire na ba famille belé. Yango shiko nzambi parce que les Elohim ba bota katé et belé mususu bana ba bota bango bazalaka na le pont à famille génération en génération. Il y en a même des quartiers. Moi, je veux vous dire une chose. Dans un quartier ici au Congo, excusez-moi, bon, je peux dire le, citer les noms, excusez-moi. Je vais vous dire, allez-y faire des recherches comme dans des quartiers comme Hôtel Fiki. Ce sont des quartiers où les bourgeois, ils ont vécu quand même au Congo. Mais je vais vous dire, la plupart des Mikolo, qui t'abanda, qui n'a pas. Dans un quartier, les gens vont les remarquer. Il y en a beaucoup de quartiers au Congo ici. Même Batounio, ce moment-là, dans la porte, ils vont voir. Quel quartier Bimana au Congo? Il y en a des quartiers où les gens ne peuvent pas se marier. Je vous l'ai dit, il y en a des quartiers piloli, il y a mariage et ça les matins. En fait, en soi, il y en a un sacrifice qui s'est fait. Moutoko balana quartier, qu'est-ce qui doit se faire maintenant? Ils doivent avoir une délivrance totale. Voilà. Et cette délivrance-là, je vous le répète, avant de le faire, vous devez avoir la connaissance. Voilà. Connaître votre combat. Tant que tu ne connais pas ton combat, tu es détruit. Voilà, merci beaucoup. La profondeur appelle la profondeur. Très chers téléspectateurs, vous êtes si nombreux devant vos postes téléviseurs. Je dis un grand merci à Tassar, Kelly, Blessing. Aussi, un grand merci à tout le monde qui nous suit en ce net moment. Prophète Moboya, c'est par ici peut-être avec cette question qu'on va chiter pour aujourd'hui, pour ne pas... Parce qu'on parle que, sur la délivrance. Je veux que tout le monde, moi, ma lembe, pour ne pas être pressé, pour que les gens soient délivrance, les alliés, et le coup, c'est très important. Et on a un thème très sensible, tout le monde doit être délivré. Être bantou, on dirait, les alliés, moi... Et ça, le bango na moi langage moko ba to ba ko seka mingi ndeke za moi lisumu parce que biso nyoso to na ba lien ba famille oyo et ben na rabenda ka biso souria msu bo bonga na bino bo sepela ka me o mona msu bo za na maladie mo héréditaire. Parlons de ça rapidement, la maladie héréditaire. Aujourd'hui, hier, je suis allé voir une amie na Kauka a ebisinga lobi leki na msu na zobela leki na msu suka zobela na zobela nini aya to sambela. Samuelite aussi, c'est un signe. Non, l'inou est dérangé. Avec bison nion sur banane, papa n'a pas besoin de couffa. Ti bison nion sur banane, tobe la amine. Et alors, j'ai connu la famille, ça date pas d'aujourd'hui. J'avais compris, n'a pas dit ce que ça banalise. Sûrement, la monnaie qui est basa quand même bateau, bah couffa, bah bé la raca, malade à mine. C'est par là, n'est la joie, mon tournant, ben à tout non à plateau. La délivrance sur maladie héréditaire, est-ce que. Comment s'en sortir avec cette maladie Oyuizali continuelle? Moi, 17 ans, mais Aza diabétique. Moi, 12 ans, Aza diabétique. Comment vous gérez cela? La maladie héréditaire, c'est quelque chose de sang aussi. Ce qui est là, c'est sûr. Normalement, il doit avoir mon sang. Voilà. Ce qui est là, c'est-à-dire à hériter biloko spirituellement, l'âme. Biloko est attaché dans l'ail. Qu'ils veulent ou pas. Rapidement, je parle de l'ombrine. Motolou. Tant que moi, je suis dans la il y a le bon maman. Voilà. Moi, je suis dans le moyen. Motolou. Très bien. La médecine peut l'éprouver. Dédé, lorsque tu parles chez les juifs, dans la spiritualité, on dit quoi? L'enfant, il se nourrit de l'âme de sa mère dans le ventre. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque moi nous allons casser les boum, aux autres soient pas babillons que ça tache na maman na yo. Y a moi sur mon appartement belé.
maladie est où tu places à papa et qui tu places à maman. En fait, c'est une question de sang. Sans Ozoa qui est où tu places na et où tu places à papa na bino sakana. Maintenant le problème c'est quoi? Genre maladie wana so bengi pasteur. Excusez-moi, il ne viendra pas pour peut-être imposer le bon nom de Jésus soit guéri. Non, c'est pas une question de ça. Voilà. Là c'est une question de couper cette sang là. Où ils ont permettre que maladie est là. Très bien. Il y a un moment là, il y en a même pas seulement la maladie, même Batumisu, tu vas remarquer toute la famille Baba Ndumba. La prostitution familiale. Voilà. Nabibali, Nabasi. Nabasi. Et puis même s'ils ont l'argent, ils ne se marient pas. Pourquoi? C'est pas une question de. Non, c'est faux. C'est une question. Papa a besoin de ça. Maman a besoin de ça. Papa a besoin de ça. Tellement Abassi, Béli, Mambassi, Bassara, papa a besoin de ça. Ça ne donne pas l'envie à Kobala. Qu'ils observent bien. Ils vont remarquer, c'est pas ça. C'est une question de sang. Et ça n'alliance moi que Salé Maka et permettre que Binoboko Talibala. Parce que celui qui n'entre pas dans le mariage, un jour si on parle du mariage ici, je vais expliquer la spiritualité dans le mariage. Qu'est-ce que le mariage le mariage attire quoi? Je vais vous dire, Sokobalité, c'est dangereux. Et lorsque nous devons changer Bassi, il est probable qu'à vivre misère dans Mokili. Salomon adora Banzam étranger parce que Zanabassi est belé. Les femmes, beaucoup de femmes nous attirent. Les idoles. C'est, or, les idoles, lorsqu'ils entrent dans ta maison, ils te brisent, ils te cassent, ils te détruisent. Très bien. Donc, c'est un peu ça ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. On va parler de mariage. Il y a délivrance. On va parler de mariage. J'ai dit un grand merci à Batonio Soba Otalabissou. Bisika Bozoami, na Pessimino, merci. Nande Konabino, Yams, Yambe, Moto Azaka, Kosa, Moussa, Malon, Poubino, Bosepela. Prophète Gloria. Un message parce que ça n'est fini déjà d'ailleurs. On va signaler Bissot. Tous à la rana, moi 25 minutes au sol ensemble. Ils attendent télévision, ils attendent. Voilà. Message Mugoko et Sabana Zambé. Et puis, bah, ou Bazali peut-être n'a pas problème. Bon, il n'a pas Yves Sanzambé. Peut-être à travers yo, au cours. Le papi moi le bamoko pour na bango nzamba sala quelque chose pour na bango à travers yo numéro de téléphone et puis message nino ko bisaba na nzambe botalo partout ici ko zoami. Voilà, vu qu'il y a pas assez de temps, je vais d'abord donner mon numéro parce que c'est important. S'ils appellent, on va bien s'entretenir ici. Mon numéro c'est +243 82 061 32 42 +243 82 061 32 42. Je ne sais pas comment vous dire ça directement ici parce qu'on nous signale que Minute et Sili. Mais appelez-moi, tu vas m'étaler ton problème par la grâce de Dieu. Même si tu ne m'étales pas, je vais te dire quoi. Et puis, je vais te dire quoi faire. Donc, je préfère mieux que ça soit comme ça. Parce que dire ça ici dans 3 minutes, c'est payé. D'accord. Merci beaucoup. Merci, prophète. Okay. D'accord, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous étiez si nombreux à suivre cette émission. Carmel Kelly, Tassar Blunsing, merci beaucoup aussi à Mama Zozo, sponsor officiel et à Paulus des Stars, Nachébiso Télévision. Un grand merci à vous, Mama Zozo Nita, na Canada. Merci beaucoup. Gilles Onyumbe Kasongo, merci aussi, mon frère, na États-Unis. En tout cas, un grand merci à toi. Bien Makwata, TV Moko Batu Ebele, tu dois toujours inviter beaucoup de gens Batala parce que TV na yue zaka moko mei, Batu Bazaka quand même Ebele. Merci aussi à Mama Vero Balissa. Merci beaucoup, Mama Vero Balissa, Flore Bokomba Lomonge. Je dis un grand merci à Bandeko Bana Burundi Diallo. Burundi na pesi mbote siko Ozali Ndeko Diallo, na pesi Ndeko Mustafa Zana Rwanda, Mbote, na pesi Ndeko Zana Tchad. Et yengamame, merci beaucoup na yopi na Tchad, ngana bino tukuta na lobby. J'ai dit un grand merci à Jonathan Mukadi qui a réalisé cette émission, aussi un grand merci à notre directeur général Chic Mukadi. Soyez nzamba zongite tokoloba, la profondeur appelle la profondeur. J'ai dit au revoir. Soki pe loko ezali numéro de téléphone ezawana, n'hésitez pas de nous appeler. Pose wa sous ma précision, soyez peut-être numéro prophète Gloire maîtrisé bientôt numéro na monsieur ezana sewana. Essayez de nous appeler sur +243 89 59 38 38 3. On se voit pour la semaine prochaine avec un nouveau numéro, s'il faut le dire. Un grand merci à Nabat Nyonso.